sur les mains, ça va parler toute la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec d'humeur, les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un verre, car ça coule par les côtés. Faudrait contrôler sa tartine, la tenir droite exactement. On la met en bouche, elle s'incline, ça coule irrémédiablement. Et ça vous coule dans la manche, et ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe, le pain s'écrase entre les doigts, ça ricochet puis ça retombe, côté collant ça va de soi. Au moment de passer l'éponge, on en met plein ses vêtements, plus on essuie, plus on rallonge, plus on frotte et plus ça s'étend. Pour qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron, ça colle aux mains, c'est ça mystère, c'est plus commun mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière, entre on prend l'escabeau, on va tout droit vers l'étagère, on doit tourner autour du pot. Qu'elle soit aux fraises à la rhubarbe, on lève au gîte goulûment, la confiture on la chaparde, on lève clandestinement. Puis un jour on est bien en place, on mène la vie de château, dans les avions, dans les palaces, et on vous raconte sur un plateau la confiture qui dégouline, qui coule, coule sur les mains, qui va parler trop de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr. Je me méfie des faussaires, je veux pouvoir comparer. Allez, exécution! Oui, chef!
Elle ne t'aide pas tout sur moi. Hein. C'est vous, là, sur la photo? Vous faites angoisser, hein? On voit le type qui a des problèmes avec ses voisins, ses parents, son boulot, son chien, sa femme, et les traites de la voiture, hein? Et on voit tout ça sur... Oh, quand on est de la police, on ne sait pas facilement faire la différence entre un individu sain et un individu pervers. Qu'est-ce que j'apprends? Oh, vous êtes de Neuville? Oui. Oh, mais ça c'est dingue! Ah oui, ça c'est dingue, moi aussi! Non, vous êtes de Neuville? Comme je vous l'ai dit! Oh, mais ça c'est la meilleure, hein! Oh, c'est drôle, non? J'ai rien vu de plus drôle depuis! Oh, c'est pas un idiot, hein! Mais ça me fait quelque chose de rencontrer quelqu'un de chez moi, hein! Oh, franchement, moi aussi! Vous y retournez dans votre temps? Oh là là, mais je peux pas m'en passer! Moi c'est pareil! Mélanie, quel souvenir! Vous avez connu son monoprix? Si je l'ai connu, je l'ai allé tous les jours! Et le centre Leclerc? Oh là là, le centre Leclerc, c'est là où maman allait toujours acheter son essence. Oh, moi aussi. Oh, et le Franprix? J'adorais littéralement le Franprix. Je vais vous dire, j'ai fait Venise, Acapulco, Barcelone, Miami. Je préfère Neuville. Oh, tout à fait d'accord. Bon, vous vous rappelez? Neuville, pays d'amour, Neuville, je t'aimerai toujours. Dans tes rues, couleur de suie, ton est bien sous un parapluie. Oh! C'est beau, hein? Oh, n'en parlez pas, je suis tout bouleversée. Dis donc, vu nos origines communes, finalement, vous n'allez peut-être pas me faire payer un max. Mais bien sûr que non. D'autant plus que c'est ma faute. Hein. J'aurais jamais dû sortir mon pied par la portière pour faire clignotant. Hein. Mais non, c'était très marrant. Franchement, j'ai beaucoup ri. Oh, vous dites ça par politesse. Hein. Non, c'est vrai. J'avais pas rigolé comme ça là, depuis... Dites, oh, le Carrefour. Vous vous rappelez, vous y alliez à Carrefour? Si j'y allais, mais quand j'étais gosse, j'étais toujours fourré. Je piquais plein de trucs. Mais pas qu'un peu, vu qu'à la sécurité, ils étaient tous plus nuls les uns que les autres. Mon père était vigile à Carrefour.